Axel Tony sur Énergie. Axel Tony est notre invité sur Énergie. Attention, Julie va nous le faire. 3, 4. Ah, vous faites pas le au-delà des mots? Bah si. Bah c'est ça, Julie. Mais, oui, mais je voulais faire les oh oh. Ah non, moi, tu fasses tout. Vas-y. Au-delà des mots. Oh oh. Ce que vous ne savez pas, c'est que maintenant, avec le bébé, elle chante à deux. Hein. Oui, c'est ça. C'est un mini gospel à l'intérieur. Hein. Ou alors, il a les doigts comme sur les oreilles. Il fait arrête, ferme ta gueule. Arrête. Pietre, attention. Oh, 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 la cigarette, écoutez les jeunes. C'est juste, hein. Hey, ah, c'est bien. On applaudit Pietre. Bien. Beau gosse. Celui qui va nous faire. Non, c'est bien. Celui qui va nous faire le plus rire, on le garde pour la ouais. fin. On l'appelle bouche de travers. Marion. Chaque fois vous faites les mêmes plans les deux. Tu fais la petite voix. Mais qu'est-ce vas-y, gueule. Vas-y, Coco. D'abord Marion. Vas-y, tiens. Alors là, il a raison, tu chuchotes là. Mais faut faire le. Lâche-toi, Marion. Il va te montrer, Jérémy. Le bien. Code du matin, c'est vrai que là on a l'impression que c'est quelqu'un qui réapprend à parler. Ouais. Tu peux le dire. Attends, Coco. Et au-delà des mots. Oh 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 oh. Il est notre invité Axel Tony, comment ça va? Ça va et toi Koué? La vie est belle? La vie est très très belle. Bon, en tout cas je suis très content pour toi. Qu'est-ce que j'ai? Attends, j'ai plein de trucs mais c'est le bordel ici. L'album. Aujourd'hui nous sommes le 15 avril. Oui. Tout oui. le monde applaudit la sortie de l'album Je te ressemble. C'est l'album d'Axel Tony. Merci. Alors que tu ne me ressembles pas vraiment. Non, j'ai des cheveux, tu n'en as plus. Je rigole. C'était Axel Tony qui était notre invité. Jeudi, ça Antoine Clamaran. C'est dommage. Sur les cheveux, il le partait bien, mal. On était pas mal comme non, ça. Non, t'inquiète. Était... Non, tiens, on a Herman qui voulait tirer pas au chou. Herman. Oui, allô, salut à toute l'équipe. C'est toujours le même Herman parce qu'il n'y en a pas 50 de Herman en France. T'es déjà passé une fois? Bah ouais, je suis bien passé, ouais. En même temps, des Herman, on en a pas beaucoup, hein. Comme des Adolphes, ouais. Hein, le jour où on en aura un, il y en a peu. Hein. Ouais, c'est vrai. Un gamin qui s'appelle Judas, tu t'en souviens de monde qui s'appelle Judas, tu l'as une fois au standard, tu t'en souviens longtemps. Vas-y Herman, vas-y mon pote. Salut Axel Tony, je voulais savoir... Salut Herman. Pourquoi tu fais que des musiques d'amour et tout? Je voulais savoir si c'était pour attirer les filles ou quoi. Non, je fais des chansons d'amour car on a tous besoin d'amour, que ça soit l'amour de ses parents, de sa copine, de ses enfants. C'est beau. Et faut pas se mentir, même les gros rappeurs, tu vois, Booba, La Fouine ou autres, quand ils sont avec leurs femmes, ce sont des lovers. Donc je chante l'amour et puis voilà, j'assume, je suis un lover. Ah, c'est bien. Donc voilà. Et t'es un lover dans la vie aussi? Ou c'est la façade Non, je suis un lover. Ouais. Ah, Booba, mais tu es le lover d'une seule femme ou? En ce moment, c'est le lover. Ah, on va dire, je suis le lover de ma maman. Je suis avec ma maman en ce moment. Ça veut dire une heure va, ça. Ah, ça veut dire je suis le lover disponible. Voilà. Mais les nanas doivent kiffer ça, les chansons d'amour. Comme ça, Bah, elles aiment ça. Elles chantent avec moi au cœur et ça fait toujours plaisir. Au lit aussi? Non, pas encore. Oh là là, mais t'imagines, la regarde dans les yeux, lui fait. Mais ça fait 2 heures qu'on se connaît. Oui. C'est pas grave. Je me voyais déjà faire ma vie. À bientôt, Herman. Est-ce que tu voudrais qu'on se fasse un live avec lui ou pas? Bah oui. Eh ben ça tombe bien. Il est venu. Eh, qu'est-ce qu'on se fait d'abord? On se fait quoi? On va se faire au-delà des mots. C'est pas du tout ce que tu viens de me dire, Jérémy. Bah Julie m'a dit qu'on faisait pas avec toi en fait, c'est pour ça. Voilà. S'il a envie de faire avec toi. Mais non, il m'a dit. Mais j'ai dit à la rigueur, je peux faire un petit bout avec toi à Capella et on se fait au-delà des mots. Je vais te dire un truc. Oui. Dis-moi tout quoi. Tu fais ce que tu veux. D'accord. C'est la sortie de ton album, voilà. Fais-toi plaisir. Ouais, je me fais plaisir. T'as envie de chanter Papa You. Tu chantes Papa You. Tu fais ce que tu veux, le micro est là, vas-y tranquillement. Non. Bon, en attendant, il est notre invité. L'album donc s'appelle Je te ressemble. Il y aura Laurine qui posera sa question dans un instant. Tu bouges pas, Laurine? Non. D'accord, à tout de suite. Maxime, tu bouges pas non plus? Non. Non, je ne bouge pas. Non, je ne bouge pas. Voici Axel Tony en live.
Merci. C'est merci, bon merci. Ça non, Axel Tony est notre invité, viens. Eh c'est quoi mec, c'est quoi cette voix de dingue? C'est un truc de ouf. Il monte si haut. Je pense que c'est la chanson la plus dure à chanter qu'on ait. C'est comme avec toi, sans déconner. Je lui ai donné des cours. Repense à Jimmy de la Starac. Tu l'as pas sorti l'année dernière celui-là. C'est clair. Axel, je vais mettre la vidéo là parce que j'ai tourné la petite vidéo, je vais la mettre sur Twitter. Axel Tony Musique, c'est ton. Oui. Voilà, boum, je mets la petite vidéo. Les gens ils vont voir que tu chantes en live. Mais j'avais encore une deuxième question. T'arrives, tu pourrais tenir, je sais pas, à chanter 2 heures comme ça tous les soirs si tu fais une tournée, un truc Bah, on va dire que c'est beaucoup de pratique. Après, plus tu fais, plus t'es à l'aise. Donc, ouais, avec beaucoup de. J'ai l'habitude, donc déjà tous les week-ends je suis en showcase, donc ça va. Parce que là, ça monte, ça descend. Mais après, ça tu sais, gueule, les ça gens vient, chantent avec moi pousse, aussi. Donc, tu te sens porté d'un élan. Hein. Même quand tu fais avec toi. T'as tous les gens qui chantent. Dès que t'es avec en galère, tu tends le micro vers le public. Avec. Je me voyais. Ma vie. Ah ouais, non, c'est vrai que le jour où t'as un petit mal à la gorge, tu peux pas les faire, toi. Tu peux pas tricher. Hein. Non, tiens, on a Laurine. Ça va, Laurine? Oui, ça va et vous? Oui, ma chérie, t'habites où? J'habite en Lorraine, dans un peu un coin paumé, mais. C'est où? À Jarennes, c'est près de Metz. À Jarennes. J'ai jamais entendu. À Jarigine. À l'argine. À côté de Metz, quoi. Non. Angine. À côté de Metz, oui. Voilà. Ah ouais, à côté de Metz. Côté de Metz. Comment ça s'écrit? J-A-R-N-Y. Chez Janine. À côté de Metz. Jarnine. On s'en fout un peu, mais j'ai envie de bien le dire dans ma vie. Jarnie. Vas-y, pose ta question. Jarani? Oui, alors Axel, je voulais savoir. Jarani, dis-moi, Lorraine. Si plus tard tu continueras à faire des duos, en fait, parce que t'as fait beaucoup de duos, je trouve. Et voilà, je voulais savoir si pour tes futures chansons, si t'allais faire des chansons en solo, quoi. Ou en duo. Est-ce qu'il y a des prochains duos, en fait, sur l'album? Sur l'album, y a déjà un duo avec Dry de Watibé, il y a un duo avec Tunisiano, il y a un duo avec Admiralty, qui est un artiste. Antillais, c'est le king du dancehall aux Antilles. Ouais. Et puis j'espère, pourquoi pas, dans le futur, un duo avec une fille. Ce week-end, j'étais avec Amel et le feeling est très bien passé. Pourquoi pas un jour avec Amel? Avec Amel, on avait un gros plateau avec pas mal d'artistes. Amel, Matt. Okay. Ce serait pas mal un duo Amel. Avec Amel, ouais. J'aimerais bien. Ah, une belle voix en plus. Et elle est simple et elle est cool. Voilà, ma Laurine. Ouais, voilà. Et ben, je suis contente. Je te fais des gros bisous. Oublie pas l'album de sortie, Laurine. Oui, mais moi j'ai, c'est bon. Ah, bah, oui, elle a une petite photo tweet alors. Bien sûr, elle l'a téléchargée illégalement. Enfin, je vais là. Là. Gros mais bisous, Malorie. Sur Twitter. Alors. Bisous. À bientôt, je t'embrasse fort. Attention. À bientôt, ciao. Attention, voici le jeu. J'adore les jeux de piètre. Il y a toujours des jeux, je ne les comprends pas. Tu t'appelles Axel Tony? Oui. C'est ton vrai nom? Vrai nom. Regarde-moi dans les yeux, dis oui, je jure, c'est mon vrai nom. Tout est vrai à une lettre près, donc voilà. Ça sent Axel Rony. Axel Tonio. Axel Pony. Axel Tonio, il te ressemble. Axel Pony. Axel Johnny. Axel Rony, non? Axel Pony. Pony, on dirait, non? Non. J'en dirai pas plus. Axel Tony à une lettre près. Donc voilà. Axel Tommy. 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 Axel Tommy Lee. Non, Axel Tony, c'est. Ok, je vais le dire. C'est subtil. Si vous connaissez son vrai nom, balancez-le moi par SMS ou par Twitter. Je m'adresse à tous les gens qui auraient pu l'arrêter une fois dans sa vie, un contrôle d'identité, dans un avion, les stewards et tout. Je voudrais son. C'est comme ça qu'on a appris que Shine s'appelait Marthe. Oui, c'est ouais. Vrai. Oh non. Axel Toby. Axel Toby. Dites-le nous par SMS 6 11 12 en mettant quoi au début de votre message à tous les plus gros dénonciateurs, évidemment. Ah ouais, il y aura un cadeau à la clé. J'attends que ça arrive. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Bon, en attendant, puisque c'est deux prénoms, on va jouer avec des personnalités dont le nom est formé de deux prénoms. Oui. Voilà. T'es prêt? Il y en a plein. J'en ai. Tout le monde peut jouer. Il peut aussi bien faire tourner les serviettes que faire l'hélicoptère avec sa bite. Alors facile. Facile. C'est génial. Je vais Patrick Sébastien. Sa plus belle citation est. Il nous manque deux plaques de placo, les gars, on est en retard sur le carrelage. TF1. Facile. Ouais, moi je suis pas un fan à la base Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel. Oui. C'est un chanteur de variété qui a voulu faire qui a voulu faire l'électricien, il en est mort. Claude François. Jean-Luc Lahaye aurait rêvé de présenter son émission L'école des fans.
Jacques Martin. Elle a présenté une émission dont le titre représentait bien les audiences. Splash. Estelle Denis. T'es tendu. Si je te dis que t'es tendu, tu vois bien que t'es tendu. Ah. Fais ton train de pourner. T'es tendu. Je te dis que t'es tendu. Un belge ? Oui, oui. Oh, c'est bien. François Dalia, oui, c'est bien, t'as envie de le dire. Ouais. C'est un commentateur de foot qui a pas passé les prolongations, Thierry Roland. Oh, c'est Pierre qui a écrit ? Non, c'est pas moi. Ah. Chaque année, son calendrier se retrouve les pages collées. Clara Morgan. Oui. C'est un sportif, chanteur, millionnaire, mais qui a toujours pas acheté de chaussures. Yannick Noah. Très bien. Attention, celui-là, il est un peu presque. Elle a chanté Je t'aime. Lara Fabien. Lara Fabien, c'est avec l'accent du sud. Attends, je regarde si ton vrai. Il y a plein de propositions. Moi, je la trouve pas. Alors, je regarde. Hein. Alors, attention. Alors, aïe, la police. J'ai Axel Tonly. Axel Tonly. Ah oui. Peut-être que c'est une meuf, c'est Amel Tonly. C'est des vannes, ça. Alors, attends. Oh, je continue. J'écoute tous les soirs, je vous aime. Ah, c'est pas ça. Axel Vomi. Non. Ça fait plus d'une lettre. Dites-lui qu'il chante bien, nous dit Maïli. Axel Toby. Beaucoup de Toby. Tori aussi. Hein. Axel Toumi. Non. Toonie, Axel Toonie. Est-ce que il est bon ou pas? C'est Axel Toonie. Non. Ah, c'est ça. Non, c'est non. J'ai une chanson en créole qui fait Toonie. Et donc tout le monde me dit Axel Toonie, Toonie. Axel Mooney. Non. Axel tout nu. Donne-nous un indice. Est-ce que le T il est bon? Il y en a un qui nous a mis Axel. En fait, faut juste rajouter une lettre. Axel Tonneau. Axel Tonneau. Non. Axel Tonia. On va savoir. C'est pas bien. C'est dans le Tony qu'il y a une lettre en plus. Bon, alors après il y a tout n'importe quoi. J'ai Axel Bonny, Axel Tub, Tordi, Axel Tonia. Non. Axel Tori. Axel ton cul. Axel Tonia. Ah merci, ça marche. T'enlèves le grec, tu mets un cul, ça fait Axel ton cul. Beaucoup. Beaucoup de Axel Dupont, non, ça fait beaucoup trop. Axel Tona, j'en ai beaucoup trop, mais j'ai pas le bon. Et il lâchera pas l'affaire. On va le savoir, vieux. Tous sur mon Twitter. C'est et tout. Alexis Tony. Non. Voici Alex Hepburn sur Energy. Elle sera en concert bientôt là. Oui. J'adore cette nana. Monte le son, on est sur Energy. Ah, je vais trouver son. Ce soir. Coé reçoit Axel Tony sur Énergie. Enfin Axel Tony. De quoi alors? Ça y est. Ah, tu l'as? Je l'ai. Ah, mais comment tu l'as eu? J'ai basé sur mon Twitter. Bon, j'en ai eu plein, j'en ai eu des mauvais. J'ai eu Accélère. C'est drôle. Voilà. Alors, bon, on peut le dire. Allez. Axel Tonier. Tonier. Voilà. Et t'as enlevé le E. J'ai enlevé le E. T'as bien fait. Enfin, plus américain. C'est mieux. Ah oui, aux États-Unis, tu deviendras Axel Tonai. Axel Tonai. Dans un instant, on va se faire le live d'Axel Tonai. Juste après la question de Maxime. Ça va, Maxime? Oui, salut, Corinne. Salut, mon pote. Vas-y, pose ta question. Je rappelle que l'album est sorti aujourd'hui. Axel. Ça va et toi, Maxime? Ça va. J'étais là samedi soir, je t'ai vu là. C'était lourd. Tu es à Tours ou à Villepinte? Parce que j'ai fait deux scènes. À Villeperdue, là, au club. À Villeperdue, oui, à Tours. À Villeperdue? À Villeperdue, à côté de Tours. Ben merci. T'as fait Paris et Tours dans la même soirée? Ouais, ça veut dire que vers 22h j'étais à Villepinte et puis après j'ai enchaîné à. Quand il y a de la bande. Ah ouais. Quoi, oh là là? Moi, Villeperdue! Moi, samedi soir à 22h, je suis au Energy Music Tour de Lyon. D'après, je vais à Vienne. Villeperdue! Et moi, on me dit pas oh là là! Je te le dis tout le temps! Bah alors! Bah toi, t'as droit à ton oh là là et moi, c'est. Ouais, mais t'as jamais été à Villeperdue, mec! T'étais à Villepaumée, lui! Ah bah, paume! Non, ça, je dirais pas. Bon, Maxime! Oui, donc ma question, c'est. Je voudrais savoir comment ça s'est passé le délire avec Dry, parce que je vous kiffe tous les deux. Ben ça s'est super bien passé. Dry est venu au studio, il a posé, et puis après. Une pêche. Et le lendemain, on a fait le clip, et puis c'était cool. Ouais, ça s'est fait vite. Ouais, ça s'est fait très très vite. Il s'est prêté au jeu, super. Parce que la musique, justement, ça fait bien accompagner d'un rappeur. Ouais, ça donne un côté un peu plus urbain. Bon, oui, voilà. Donc c'est super. Et tu fais pas de rap du tout, toi? Non. Chacun son truc. Les chantistes. Chacun son truc. Dans un instant, le nouveau titre pour fêter la sortie de l'album d'Axel Tony. Reste avec nous. On va se faire marraine. Oui, c'est ça. Juste, Axel, je voudrais quand même vérifier deux, trois trucs. Ton album s'appelle Je te ressemble. Je te ressemble. Alors, c'est le moment de voir si on se ressemble vraiment. Dis-moi tu me réponds tout. Franchement. Hein. Est-ce que, comme moi, Axel, tu viens d'avoir 29 ans?
Je te ressemble. Est-ce que comme moi, t'as du mal à cacher ton accent picard, hein, si tu viens de là-bas? Je te ressemble. Tu viens d'où, toi? De Picardie. Oh. Je te taquine. Est-ce que comme moi, t'en as marre qu'on te compare vocalement à Michael Jackson? Je veux dire, c'est parce que moi, ouais, souvent, j'en ai marre, sur ça, je te ressemble. Est-ce que comme moi, tu peux tenir des jours pendant l'amour? Je te ressemble pas. Je sais, c'est un entraînement. Hein. Est-ce que comme moi, le sport est ton art de vivre? Je te ressemble. Eh yes. Est-ce que comme moi, tu as des filles qui te suivent, mais c'est ton équipe qui couche avec? Je te ressemble. Ouais, c'est ce que je dis, hein. C'est l'histoire de ma life. Hein. Est-ce que comme moi, tu te rases les cheveux, sinon tu les as dans les yeux? Je te ressemble pas. Enfin, est-ce que comme moi, t'es mytho? Je te ressemble pas. Je me disais aussi. Voici Axel Tony, applaudissez-le, voici le nouveau titre, comme ça, aujourd'hui. Et on fait ça sur NRC. En live sur NRC avec tout l'album est sorti aujourd'hui. Sur je te ressemble. Et puis attends, Axel, il faut qu'on vérifie un truc parce que on a dit juste avant de te faire la bise et de te dire au revoir, on a parlé d'un truc. On s'est dit quand même, cette chanson ressemble à un dessin animé, Les Mondes Engloutis. Ah oui. Alors nous avons. Alors nous allons écouter les deux. Alors nous avons. Et si jamais on s'est trompé, on s'est trompé, hein. Hop, vérifions. Tiens, voir ça après, c'est dans toi. Enfant de la terre, écoute-moi. Ah, le début. C'est quoi, je viens de la prendre là. Je t'assure, je savais pas. Je savais pas. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Je savais pas. Ça fait le début, non, ça fait un petit peu film érotique aussi de la TNT, la ouais, de W9. Ouais, bonjour madame. Ah, je savais pas. Prends un cœur qui n'a jamais battu pour aucun. Ah ouais, je savais pas. Franchement, c'est peut-être dans mon subconscient parce que c'est une série que je regardais. Et puis, quand les mondes engloutis vont te défoncer. Heureusement que t'as par Picalbator, alors là, ou Capitaine Flamme, parce que là, il t'a. Là, tu perdais. Ah non, mais ça, oh, c'est sur les premières notes. Ouais, les premières notes. Franchement, j'ai un. Ouais. C'est ouf, hein. C'est vrai, ah ouais, qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est lui. Franchement, l'oreille. À chaque l'oreille. Fois qu'il écoutait ta chanson, il disait mais ça me dit quelque chose. Super oreille. Alors, il se trouve que c'est mon père qui avait écrit cette chanson. Comment ça s'arrange? Bon, on va se parler, on va se parler. Je vous demande de faire du bruit. L'album est sorti aujourd'hui. Axel Tony. Merci. Here we go now, come on. Trouvez tous les podcasts de Koé sur énergie.fr, Ekoé.fr et les meilleurs de l'émission sur la web radio Énergie Koé.